you let yourself be pushed so that you're able to do whatever you want to do afterwards. I've done it since forever. It's not a thing that I do. It's more a thing that I am. It's not necessarily something that I wake up and I'm like, okay, I'm going to practice. It's just like, as soon as I wake up, it's something I think about. La vraie vie, ensuite de ça, notre perspective est légèrement différente. On essaye de voir les choses plus calmement, puis on porte peut-être une plus grande attention puis un plus grand respect aux gens qui nous entourent. Fait que je crois qu'on est des gens qui vont loin. En fait, on va voir à la télévision GSP qui va faire du mixed martial art, qui va frapper quelqu'un avec un coup de coude dans le visage. Tu vas y voir une prune apparaître avec du sang. Donc, les gens perçoivent les arts martiaux peut-être d'une façon légèrement barbare, à la limite, parce qu'ils ne sont pas informés de ce que c'est vraiment. Ils ne sont pas informés que les arts martiaux, c'est un sport au même titre que soccer ou basketball. Quand on fait de la compétition, il y a des règles, il y a une structure. Je veux dire, on ne s'en va pas dans un ring comme un combat de coq, puis le premier qui meurt, c'est lui qui gagne, loin de là. Il y a une philosophie derrière ça, il y a différents styles. Puis, je crois que c'est justement ça que les gens ne sont pas au courant. Ils ne savent pas c'est quoi exactement les arts martiaux, puis les raisons qui poussent les gens à faire les arts martiaux. Donc, oui, je crois que tout ça ensemble fait que on croit que tous ceux qui font les arts martiaux, c'est des gros bifs qui s'entretuent. I don't like UFC because I find most of them are just brutes. They don't fight. They just brawl. Like, you only have a few people who actually are martial artists, and it shows in how they fight and how they'll win their matches. On n'est jamais au maximum de notre art. On peut toujours pousser plus loin. Donc, c'est quoi la philosophie? C'est la façon dont on est capable de se regarder, de se tirer vers un objectif, puis de toujours se rendre plus loin, de toujours donner le meilleur de soi-même, dans le respect d'autrui, de l'environnement, puis de ce que les gens ont à nous enseigner par rapport aux arts martiaux aussi, surtout. Ça, je pense que c'est un aspect des arts martiaux philosophiques que je peux transférer à ma vie. Vraiment, le fait de relaxer, de regarder tout, puis c'est ça, là, de ne pas réagir impulsivement, de ne pas faire quelque chose que je pourrais regretter après. Puis je pense que les arts martiaux, ça amène une certaine camaraderie. Fait que, tu sais, tu t'entraînes, mais tu n'es pas toute seule dans ton petit coin à faire des punches. Tu développes un esprit de dojo, tu es avec du monde, tu te bats avec ces personnes-là, puis le fait de te battre, puis tu fais un peu confiance à la personne. C'est-à-dire, quand tu te fais une personne, quand tu te bats avec une personne, tu ne vas pas genre « rage out », puis les deux vous rage out pas, vous battez, mais dans un espace contrôlé, tu aimes la personne, c'est ton ami, fait que tu ne veux pas la défoncer. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je trouve que cet aspect-là de vraiment de respect, de confiance, de camaraderie, ça amène vraiment un aspect philosophique super important aux arts martiaux. Puis ça, je pense qu'encore une fois, tu peux le transmettre à ta vie de tous les jours parce que ça fait des amis pour la vie. C'est comme une autre famille, dans le fond, c'est la famille des arts martiaux. Je pense que c'est vraiment important de justement, c'est ça, faut que tu crées de la place dans ton mode de vie pour faire des arts martiaux parce que ça permet vraiment de défouler puis d'être plus zen. Hein. Puis moi, je pense que c'est ça que ça amène à ma vie tous les jours. Ça me permet de keep my cool and to relax, or else I would be too hyper and I would have too much violent energy inside of me. Ben, tu sais, le monde, souvent, quand tu vas leur dire que tu as une ceinture noire en arts martiaux, ils sont comme oh, wow, shit, tu pourrais me péter la gueule à quelqu'un, tu pourrais me péter la gueule. Puis souvent, je suis comme, ben, I don't know, I've never really did it. Like, I've never had a situation in the street where I had to fight, or like, I never fought just for hitting somebody because he annoyed me. When I use violence, when I do martial arts, it's in a controlled environment, it's like in the dojo, but it's a good tool because I know that if I'm in the street and I get attacked, I know that I have the power and the techniques to attack the other person, well, to defend myself and to be alive, puis de me sauver. Fait que ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça rassurant, hein, surtout en tant que fille. Moi, j'ai jamais vraiment entendu des stéréotypes, surtout sur les femmes qui pratiquent les arts martiaux. Moi, à chaque fois que je dis à mes amis ou à du monde que je rencontre que je pratique des arts martiaux, je vois pas genre « oh shit ». Tu sais, je vois comme « ah, elle pratique des arts martiaux, c'est bien, elle peut se défendre ». Souvent, mes amis,
ils vont pas avoir peur de revenir le soir sans avec moi. Leurs parents, ils sont contents quand je reviens avec eux. Ça connaît, c'est les protéger. Moi, je pense pas que les femmes, autant que les hommes, peuvent pratiquer les arts martiaux. Puis souvent, le monde sont comme « Ah, mais tu sais, t'es moins forte et tout », mais c'est aucun rapport parce que, mettons, le judo ou le taekwondo, c'est pas nécessairement une question de force, c'est une question de vitesse, c'est une question de déséquilibrer l'autre. Puis au contraire, tu utilises la force puis la puissance de l'autre contre lui. Fait que je pense qu'à un certain point, tu as un avantage à quelque part à pas être super forte puis avoir des gros muscles parce que si tu as des gros muscles puis tout stiff, tu bouges moins bien puis ben, tu peux bouger moins bien puis ça peut te nuire. Fait que moi, je pense pas que être un gars ou être une fille, ça n'a aucun rapport sur si tu vas être bon, si tu vas être fait. Puis je pense que s'il y a des stéréotypes là-dessus, sont totalement faux. Puis les personnes qui pensent ça, ben c'est un peu du sexisme, là. Ça n'a rien à voir. En fait, quand on arrive dans la vraie vie ensuite de ça, notre perspective est légèrement différente. On essaye de voir les choses plus calmement. Puis on porte peut-être une plus grande attention puis un plus grand respect aux gens qui nous entourent. Fait que je crois qu'on est des gens qui vont loin. You control your emotions, like it teaches you how to focus, it teaches you how to have patience and all that stuff. That's like a given, but again, that's like anything that you anything that you're willing to give like 20 years of your life to will do that. Like it'll give you focus, it'll give you like it'll allow you to control yourself better just because it's the fact that you've managed to discipline yourself to focus into that. It's simply because, yeah, it's you realize how easy it is to just choke someone out and just straight up kill them. When you practice martial arts and you get to the point where you're when you get to the point where you're basically Miyagi level. Now show me wax on, wax off. Hey. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Hey, wax on, hat. Wax off, hat. Concentrate. So you like. It's like Mr. Miyagi when he tells Daniel to not fight ever, to not use karate because he doesn't want to fight, or like when he has to like fight for Daniel and he says that it wasn't cool, it wasn't fun. You realize that it's so easy to break someone's arm. It's so easy to just to completely destroy whoever you're fighting. Je crois que c'est plus qu'un titre, c'est une philosophie. C'est une façon de voir les choses autant dans le sport comme tel que dans la vraie vie. C'est une adaptation, je crois, un peu spirituelle peut-être, de ce qui se passe alentour de nous. Donc, c'est quoi les arts martiaux? C'est le respect d'autrui, c'est la discipline, et puis c'est le fait de toujours se surpasser, de se vaincre soi-même pour pouvoir en apprendre plus sur nous-mêmes, puis en même temps, de ce fait-là, pouvoir en apprendre plus de la vie, de ce que la vie a de nous offrir en général.